Hey yo les Jévis, j'espère que vous allez bien, comment ça va? Super bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une petite ouverture de booster. Je vous en ai parlé sur les réseaux sociaux, certains parmi vous ont déjà deviné, mais aujourd'hui on se retrouve pour ouvrir des boosters et pas n'importe lesquels. Aujourd'hui on ouvre du PTDM Phantom Darkness, Lifted Up Phantom. C'est vraiment une édition qui pour moi a marqué ma jeunesse, vraiment, parce que à cette époque-là j'étais à fond dans Yu-Gi-Oh! J'étais encore sûrement en primaire ou tout juste au collège, parce que c'est une édition qui date quand même d'il y a pas mal d'années. Et à l'intérieur on retrouve des cartes emblématiques, et notamment le grand, le beau, le puissant, vous savez que je l'adore, le Dragon Armé des Ténèbres. Et vraiment, je me rappelle pas spécialement avoir ouvert ces boosters-là quand j'étais gosse, parce que j'étais déjà jeune. Peut-être que j'en ai ouvert, mais je suis pas sûr. Ce qui est sûr, c'est que j'ai jamais craquer un Dragon Armé des Ténèbres. Et aujourd'hui, on va s'ouvrir ces boosters là. Alors oui, effectivement, c'est des boosters coréens, c'est sûr que c'est beaucoup moins cool, mais l'objectif aujourd'hui, c'est de réussir à craquer un booster, enfin un Dragon Armé des Ténèbres dans ces boosters là. J'espère que je vais y arriver, ça me ferait extrêmement plaisir. Pas grand-chose à vous dire de plus. Si ce contenu te plaît, eh bien tu peux t'abonner et lâcher un petit pouce, et moi je te dis à tout de suite, on passe sur la deuxième caméra. Donc les petits boosters, ils sont juste ici. Alors déjà les boosters OCG, moi je les trouve vraiment toujours magnifiques, hein, clairement. Et puis 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire quand j'ai 11 boosters? Vous le savez. Ça veut dire que ce petit booster-là, on le met de côté tout de suite et il sera gagné en partenariat avec la page Facebook qui m'a permis d'obtenir ces boosters coréens. Donc toutes les informations sont dans la description, et surtout ça se passe directement sur Facebook. Donc pour ceux parmi vous qui me suivent déjà sur Facebook, et pour ceux qui ne suivent pas déjà, eh bien vous pouvez vous rendre sur le lien et participer au concours. Ça sera très simple et vous aurez ce petit booster là à gagner. On le met de côté, on n'en parle plus, je vous en reparlerai sûrement à la fin de la vidéo, mais nous on va pouvoir se lancer dans cette ouverture là et j'ai beaucoup trop hâte. Alors de mémoire quand même, on sait que les boosters OCG sont une véritable plaie à ouvrir, et j'ai prévu le coup. Alors je vais essayer de les gagner, garder en bon état pour essayer de faire une belle miniature, puisque j'ai pas pensé à faire la miniature avant, mais on va mettre un petit coup de ciseau juste ici. Hop, voilà, on va les ouvrir comme ça devrait aller, hein. C'est un peu du bricolage, mais ça devrait aller. Et puis sinon je mettrai un petit accéléré où j'ouvrirai tous les boosters et après on regardera les cartes. Tac. Alors, ok, du Bête Gladiateur. C'est vrai qu'il y a du Bête Gladiateur dans cette édition. Et derrière, on a une première super. Alors dans cette édition, on a de la super rare, de l'ultra rare, de la secret rare, je suis pas certain. Par contre, on a de l'ultimate et de la ghost. Alors, j'ai même pas la prétention d'espérer vouloir craquer une ghost, mais c'est vrai que si ça tombe, eh bien ça te fera qu'encore plus plaisir. Cette ouverture-là, c'est vraiment une ouverture plaisir. J'ai vu ça, j'ai vu le post totalement aléatoirement sur Facebook, et les prix étaient assez avantageux. Je crois que j'ai payé 20 euros les 10, quelque chose comme ça. Peut-être que je me trompe un peu sur le prix, parce que c'était déjà il y a quelques petits moments, mais c'est pas très cher. Greffeur des Ténèbres, une carte que j'adorais jouer à l'époque, et surtout, bah, je suis content de pouvoir faire cette ouverture avec vous aujourd'hui. Ok. Et derrière, ah, on n'a pas de rareté obligatoire dans les boosters, d'accord. Je croyais que c'était comme nous qui avait de la rareté obligatoire, et c'est des boosters de 5 cartes. En fait, ça s'ouvre pas trop mal quand, avec un couteau, quand tu bouffes par derrière. Donc on a eu de la chance d'avoir une super déjà. Et derrière, une commune. Est-ce qu'on va réussir à craquer un petit peu une rareté? C'est vraiment le suspense, c'est vraiment Vraiment, j'espère faire tomber quelque chose. J'en ai aucune idée. Si ça se trouve, il n'y aura rien qui tombe. Vous savez très bien que j'ai zéro chance sur les ouvertures. On verra bien. Du Cyberdragon. Waouh, c'est un Cyberdragon que je ne connais pas, je crois. Stylé. Peut-être que c'est un Cyberdragon qui n'a pas été édité chez nous. Du support pour les Bêtes Galéateurs. Ça, c'est du méca quelque chose. Lancier Atlantide. Et derrière, une rare. Ok. En fait, ça s'ouvre pas trop mal. Je suis assez content, j'avais peur de galérer à les ouvrir. Et en fait, cette technique-là, cette technique-là marche pas trop mal, mine de rien. Alors, c'est Lotus Samsara, si je me trompe pas. Pluie d'acide, si je me trompe pas non plus. Ça, j'en ai aucune idée. Une carte piège, et derrière, une commune. Je vais le lancer à nouveau. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de raretés, dis donc, hein. Franchement, c'est un peu naze. Mais bon, après, peut-être qu'à l'époque, c'était comme ça. Je me rends pas bien compte. Du héros de la destinée, c'est vrai qu'il y a des héros de la destinée dans cette extension-là. Celle-là, je l'ai en ultimate, je sais plus exactement son nom. Du support pour les... Et j'ai mangé leur nom. Les... 3 hours later. Je sais plus. Et une commune. Pour les gadgets, voilà, pour les gadgets.
Hop là. Alors. Ok. Ninja blanc, quelque chose comme ça. Carte piège. Le lanceur est derrière. Une carte magie et c'est une rare. Ok. Stylé. Il nous reste trois boosters à ouvrir. Alors, juste, franchement, le petit Yubel juste ici, il est vraiment stylé quand même. Hein. Franchement, il est propre. Hein. Le booster en lui-même est propre. Je suis d'accord parce que j'aurais dû en commander un peu plus, juste histoire de regarder un scellé. Encore une fois, c'est du coréen. C'est vrai que j'aimerais bien avoir un PTDN. Tiens, d'ailleurs, regardez. Hop. Bon, y a les deux là déjà, mais c'est surtout, voilà, c'est ça qu'on veut. Alors, le mien n'est pas en parfait état, évidemment, mais le petit Dan en PTDN, franchement, il fait plaisir. Première édition, c'est vrai qu'un jour je l'achèterai, hein, enfin je le récupérerai en parfait état parce que bah, c'est vraiment pour moi une carte emblématique, mais je suis déjà content de l'avoir dans cet état-là. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous voulez que je fasse une colonne. Oui, j'ai tout un petit paquet. Je galère à les choper, et il en manque en plus. Tac, j'ai tout un petit paquet de cartes. Je voulais. Juste ici, les cartes que je mets sous top loader, je vous en montre quelques-unes, juste l'histoire de teaser un petit peu. Et c'est des cartes qui ont pas mal de valeur, mine de rien. Je crois que le paquet complet, on est sur du 400 ou 500 euros, quelque chose comme ça. Et dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo où je vous présente ça, tout simplement. Du bas de gladiateur à nouveau. Ok. Lancier et une rare. Bon, bah dis donc, on aura été blindé rare. On aura commencé avec la meilleure carte de l'ouverture, si ça se trouve. On aura eu une super. Moi j'aime bien, j'ai pas mal de cartes OCG du coup, et c'est vrai que j'aime bien, je vais d'avoir un petit peu d'OCG, malheureusement on peut pas l'utiliser évidemment, mais ça reste toujours sympa, mine de rien. Dieu, héros, à nouveau. D'ailleurs on voit l'artwork qui est quand même pas trop mal. J'allais dire une bêtise, en fait j'allais dire héros ici, mais en fait pas du tout. Allez, le Neo Space, un petit dinosaure, du support, et derrière... Mais non! Mais non! Mais non! On vient de faire tomber une putain d'ultimate! J'ai une coiffure dégueulasse du coup. Mais non! Mais c'est une dinguerie! Elle est magnifique! Oh, je suis tellement content! Je suis tellement content, cette vidéo se passe tellement bien! J'étais en train de dire ouais, ça va être la meilleure carte de l'ouverture, mais pas du tout! On fait tomber une ultimate, mais regardez ça, le petit Horus des Ténèbres qui est magnifique, bordel. Je connais pas du tout les ratios et je me rends pas compte, mais... Oh putain, ça me fait pas pleurer, mais presque, quoi. Je suis trop content, elle est magnifique, quoi. Regardez-moi cette beauté. 30 secondes, faut que je trouve un protège-carte. Ouais, je virais. Mangeur de millions, il est mignon, mais hop, on s'en servira plus tard, hein. Oh, elle est tellement belle. Oh, je suis tellement content d'avoir fait tomber ça. Moi, j'ai fait une ouverture en mode j'ouvre du PTDN pour me faire plaisir parce que j'en ai jamais ouvert ou je me rappelle pas en avoir ouvert. Et là, je tombe sur quoi? Un petit Horus. Alors oui, c'est du coréen. Vous pouvez dire ce que vous voulez dans les commentaires. Mais ça fait quand même super plaisir, bordel de merde. Hop, la petite démonétisation au passage. Regardez-moi cette beauté. Bon, je la laisse de côté. Il reste un booster à ouvrir. Oh, je suis tellement content, bordel. Oh, je dis tout le temps que j'ai pas de chance, mais là pour le coup, le karma m'a rattrapé et m'a mis bien quoi, une putain d'ultimate. Je suis tellement content. Alors, on recommence avec le même booster qu'au début, et la dernière carte, ça va être roulement de tambour, c'est un monstre normal et c'est une commune. Donc juste pour petit récap, je vous repasse les communes qu'on a fait tomber. S'il y a des petites communes que j'ai eues plusieurs fois et qui vous intéressent, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur les réseaux sociaux. Elles seront sûrement disponibles, celles que je vais essayer de les garder en un exemplaire. Ça par exemple, je connais pas du tout Sigma Dragon, dites-moi, c'est sûrement un Sigma Dragon, mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous le connaissez, moi je le connais pas. Mais s'il y a des cartes qui vous intéressent et que j'ai eu en plusieurs exemplaires, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je vais les garder en un exemplaire. Voilà, je me répète un petit peu, mais c'est parce que j'ai essayé de rechercher ma phrase. Les petites. Alors, trois rares, du coup, et une super. Qui est pas trop mal, hein, franchement, elle est assez jolie. Et surtout, mais mon Dieu, mais cette pépite. Mon Dieu, cette pépite. Je suis tellement content, bordel. Oh, ça bute. C'est la première fois que je fais une ouverture aussi cool, je pense. Ça me fait tellement plaisir. Donc je rappelle ce petit booster-là qui n'est pas encore ouvert, si ça se trouve il contient aussi une ultimate, je sais pas, il sera gagné sur Facebook, merci à la page Yu-Gi-Oh! Qui m'a permis l'import de ces produits-là,
qui seront du coup bah, disponibles. Voilà, ils en ont encore à la disponibilité. Ils ont également du LDD coréen également dispo. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Je mettrai le lien dans la description. Moi, je suis trop content. Je vais aller la mettre sous double sleeve top loader, machin, mes couilles, tout ce que vous voulez. Histoire qu'elle s'abîme jamais. Je suis trop content d'avoir fait tomber ça en booster. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez encore une fois vous abonner et lâcher un petit pouce bleu. Vous êtes de plus en plus à me suivre, ça me fait toujours plaisir. Et bon, encore une fois, cette chaîne, c'est votre chaîne, hein. Vous êtes les meilleurs. Ça me fait plaisir d'avoir votre soutien, vos messages pratiquement tous les jours, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en message privé, toutes ces choses-là. Donc ça fait super plaisir. Prenez soin de vous, faites dans vos duels et collection de cartes. On admire encore une dernière fois cette petite ultimate pépite. De toute façon, je pense que je vais vous la spammer sur les réseaux sociaux tellement j'en suis content. À bientôt les potes. Ciao !